This is an Je vous réserve une grosse surprise. Grosse surprise. Un événement exceptionnel. Qui va vous mettre des étoiles dans les yeux. Confinement ou pas confinement, ça va se faire. Donc c'est en cours, normalement, janvier 2021. Donc j'ai appris beaucoup avec ce confinement et j'ai appris surtout qu'il fallait prévoir l'avenir d'un autre ère, c'est-à-dire que le digital entre autres, et puis plein de choses. En espérant bien sûr que vous me verrez toujours en vrai, mais il est possible que j'apparaisse sur les télés. Donc voilà. Ceci dit, je pense pas quand même. Alors, j'aimerais tout d'abord faire une dédicace à mes 5 collaborateurs qui ont travaillé avec moi pied ferme et qui me suivent depuis très longtemps. Donc voilà, c'est des gros professionnels, parce que je vais vous dire pourquoi. Donc, Étienne, est-ce que tu es là, mon tien? Ensuite, Thierry, est-ce que tu es là? Ludo, est-ce que tu es là? D'accord. Nicolas, est-ce que tu es là? Et Fabio. Donc, c'est 5 personnes que j'apprécie fortement, parce que c'est en fin de compte le corps de ce gros événement qui est en train de se préparer et qui va faire tabac.
tabac parce que j'ai prouvé beaucoup de choses jusque maintenant et je voudrais vraiment faire une bombe. Une bombe, ça fait partie du confinement, mais avec des bonnes surprises. Alors écoutez, je vais vous demander une chose à partir d'aujourd'hui, pour que vous soyez privilégiés, surtout sur ce qui va se passer. Je sais qu'il y en a qui me suivent depuis longtemps, 20, 25 ans, c'est vrai, c'est quand même des fidèles. Pourquoi? Je souhaiterais que vous vous abonniez à ma page YouTube, en fin de compte, oui, à ma chaîne YouTube exactement. Pourquoi? Bon, ça ne coûte rien, hein. Vous cliquez, vous êtes... Parce que vous allez avoir des événements, des conseils, des quelquefois cadeaux, enfin, beaucoup de choses. Et vous allez surtout peut-être être invité, participer à ce gros événement qui est en cours, qui est exceptionnel. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce que ces collaborateurs m'ont fait remarquer que j'étais un influenceur. Et je pense que tous, vous avez participé avec moi aux soirées, aux animations, aux stages, au spectacle, au flash mob, enfin tout ça. Et tout ça comptabilisé, ça fait 8 millions de vues. Bon. Plus 5 millions que j'ai effacés volontairement. Je vous dirai par la suite pourquoi. Il y a quelque chose. Pourquoi ces 5 millions? Parce que vous en avez fait partie la plupart. C'était bien sûr le fameux flash mob de Bruno Mars que nous avons fait à Auchan V2 et qui avait fait un buzz terrible. Vous vous souvenez, donc vous êtes témoin. Mais encore, il y a des preuves. Donc il y a une tactique qui se va se mettre là-dessus. Et moi, je suis assez audacieux, parce que j'aime les compétitions. J'en ai fait beaucoup et j'en fais toujours. Et je voudrais égaler ce record, sinon plus. Donc vous allez participer avec moi à ce challenge, ça c'est sûr et certain. Mais si vous abonnez surtout à la chaîne YouTube, vous aurez ou sur le site, enfin voilà, ça c'était les choses importantes que je voulais vous dire. Ça va être énorme, d'accord? Et janvier, c'est pas loin. Vous pouvez pas douter ce qui va se passer, mais c'est énorme. Donc voilà, ça c'était les premiers messages que je voulais passer. Le deuxième, ben oui, pendant 6 mois, 7 mois, c'était open bar, on a fait des courses et tout, c'était le premier confinement. Maintenant, vous connaissez la situation de tous ces artistes, ces événements. Bon, donc les cours, bien sûr, ce seront payants, mais seront très professionnels, d'accord? Avec de la nouveauté. Alors moi, ce que je vous apportais, c'est le sport, la danse et le divertissement, c'est-à-dire le show. Ce sera un show à chaque fois. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau numéro que j'ai mis en place. Je vais vous dévoiler quelques petites choses. Donc, il va y avoir beaucoup de choses aujourd'hui. Et je pense qu'un cours, avant tout, c'est animation aussi, et faire participer et donner du plaisir et de la joie. OK? Donc voilà, ça c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, dites, apportez vos critiques. Dernière chose, les inscriptions vont se faire à partir de lundi. Pour votre cours qui va commencer le mercredi, donc mercredi 18h30, 19h30, et le dimanche 18h30, 19h30, le jour avec du show. Inscrivez-vous, ne venez pas à la dernière minute parce que, bon, là, ça, il va y avoir une liste et ça va être assez prisé. Donc, à partir d'un moment, on bloque le cours, à savoir que maintenant, et oui, aujourd'hui, c'est cadeau pour moi, ce que je vais vous faire. Mais après, ce sera fini. Donc, il n'y a plus de replay. C'est fini, le cours, une fois qu'on l'a fait, il s'efface et vous aurez à chaque fois un autre client. Là, on tape vraiment professionnel. Donc voilà, maintenant, j'espère vous avoir encore en visu parce que il va se passer plein de choses. Sinon, je vous demande de continuer à vous entretenir et surtout de comment garder le moral. Parce qu'il y en a peut-être que je ne vais plus. Parce que le meilleur médicament, moi je peux vous le dire, pour ce fameux virus, c'est faire du sport. Et là, vous avez un bouclier qui est super. D'accord? Bon, voilà, c'était beaucoup de choses que je vais vous dire, parce qu'après, il y en a que je ne verrai plus, peut-être. Et voilà. Nous allons aujourd'hui attaquer du sport, et de la danse, et du divertissement. Alors, voilà. Écoutez, il faudra maintenant... Si vous voulez faire du sport, un ballon.
si possible, un bâton, des poids, ballon 2 kg ou ballon 5, petit poids ou grand poids, d'accord ? Une pelle. Pourquoi une pelle ? Vous allez le savoir, elle va servir cette pelle. Donc, si vous pouviez, et bien sûr, vous avez oublié, une chaise. C'est le matériel qui va servir pour justement avoir en fin de compte votre petite salle de gymnastique chez vous. D'accord ? Et vous allez apprendre plein de nouveautés. Et surtout, ça je le dirais au cours, les secrets de la longévité, ça c'est important quand même. Je les connais un petit peu, voilà. Et après je vous dirai quelque chose. Parce que c'est exceptionnel aujourd'hui. C'est exceptionnel. D'accord, une petite pensée pour Florence Sonneville qui vient de perdre sa maman. Florence, c'était à Pifleau, tu viens, donc j'ai voulu son pastichot. Donc, qui doit être devant son écran, bien sûr, peut-être. Triste, toujours partante. Mais je vais te faire un petit bisou, Florence. On est avec toi. Aujourd'hui, tu danseras peut-être pas, mais tu regardes. Donc, c'est pour toi. Voilà, c'est les durs moments, Florence Sonneville, toujours présente, 1985, toujours fidèle. Donc, bisous à toi. Et aujourd'hui, ce live est pour toi. Voilà, donc, ça y est, je crois qu'on peut y aller. Vous voyez cette table ici, hein ? Eh bien, tout à l'heure, je vais vous montrer ce qu'elle va vous faire rêver. Si on passe au sport, aujourd'hui, il va avoir un petit peu de débord, mais c'est normal. Donc, ça va être un cours. Poum, on va taper dedans parce que vous avez envie de vous délasser certainement. Et puis, mais certains exercices quand même qui vont être là. Donc, un tapis indispensable. D'accord ? N'oubliez pas votre tapis. Et surtout aussi la serviette. D'accord ? Donc je prends un accessoire, exemple. Allez, une chaise, parce qu'on a tous une chaise dans le soir. Donc je vais mettre ce tapis là pour l'instant, parce qu'il ne va pas servir. Et on va commencer certains exercices. Donc, les secrets de la forme, oui, parce que je vais vous apprendre une chose. La gymnastique est quand même le solfège de tous les sports. Donc, j'en connais un petit rayon parce que j'en ai fait un petit peu. D'abord, avant tout sport, ceux qui ont des difficultés, par exemple, de genoux, de dos, tout ça, puis j'ai vu tout à l'heure sur Facebook que bah, ouais, je me suis fait mal à la cheville, voilà, ou problème cardiaque, tout ça. Prenez une chaise et vous vous asseyez. Pour vous dire que vous pouvez faire du sport quand même. Et c'est pour ça les secrets que je vais vous apprendre. Bon, alors, tout d'abord, avant le sport, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut s'échauffer. Alors, vous allez être en télétravail. Vous allez être comment ? Sur Internet, vous allez être sur le portable. Ça va être beaucoup. Et ça puise quelquefois. Exercice important. Échauffement. La nuque. D'accord ? Et du coup, si possible, rentre le ventre, durcit les fessiers, vous asseyez sur la chaise ou debout. Et on tourne la tête. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8, 5, 6, 7, 8, de l'autre côté pareil. Et 1, 2, en passif. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Montons poitrine. 1, 2, 3. 4, baissez le cou comme il faut, 5, 6, 7, 8, monte ton poitrine, tête en hyper-extension, et 1, baissez les épaules, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, je vais raccourcir les temps aujourd'hui. Hein. Celui-là est important, que portable, télétravail vous fait mal au dos. Beaucoup de personnes se tiennent comme ça, on perd en capacité respiratoire. Donc ici, on baisse les épaules, on prend ici la tête et on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâchez. De l'autre côté, allez, et 1, 2, 3, 4, baisse bien tes épaules, 5, 6, 7, 8.
Ok, maintenant je vous donne les conseils. Faites-le le matin, le soir, surtout pour justement détendre ces micro-traumatismes qui vont vous mettre quelquefois des douleurs. Échauffement des épaules, on tourne les épaules. D'accord, 8 ans. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Gonflez la poitrine. D'accord? Ça s'appelle la respiration qu'on ne fait plus. Apprendre à respirer, on va en avoir besoin durant cette période. Parce qu'il y a des fois, on va faire. Donc, gonflez la poitrine. Ici, respire par le nez, souffle, pousse. On peut croiser les doigts, c'est-à-dire qu'on sent la poitrine. On inspire, on expire, on souffle. Bon, encore. Souffle. Bon, dernière fois. Ici, gonfle la poitrine, tire les épaules en arrière. Inspire, inspire. Et... ça, c'est un exercice incontournable. La respiration qu'on peut faire, l'antistress et surtout, eh ben, souffler. Regardez le grand sportif, quelquefois, quand ils sont en train de faire une compétition, à chaque fois avant le départ, c'est. Donc, c'est énergie. La respiration, on va en faire et maintenant, on va passer à la corrective. Corrective. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bâton. Moi, j'ai pris un bâton spectacle aujourd'hui. Vous voyez? Bon, ça, c'est du chou. Alors, sur la chaise ou debout. Le bâton, important. Pourquoi? Parce que d'abord, ici, on tourne avec le bâton. Voilà, et ça fait échauffer les épaules. D'accord? Donc, ce sera 8 ans. Et après, on ira dans l'autre sens. Aujourd'hui, ce n'est pas un vrai cours. Hein, c'est des petits conseils. D'accord? Après, on fera, en rentrant le ventre, en durcissant les fessiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deuxième fois, 8, tire bien les épaules en arrière, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on restera en haut. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour ceux qui ont des difficultés avec les épaules, ben, juste au coin du crâne et on pousse. Ici, ça s'appelle la corrective. Corrective, pourquoi? C'est fixateur des omoplates. Vous voyez, je monte. S'il y en a qui peuvent, on passera plus derrière et on va tirer en. Passer derrière et tirer. Ça, c'est des exercices importants, surtout que vous allez souvent dans le rond. Étire. D'accord? Encore. Étire. L'échauffement pour ceux qui ont des problèmes d'épaule et tout ça, échauffer les épaules avec le bâton, c'est-à-dire là. On pousse avec le paume de main et on va monter jusqu'en haut. Ce sera toujours des séquences de 8. D'accord? Pareil de l'autre côté, donc ça c'est 1, 2, 3, 4, on ira jusqu'à 8. Ça peut aller devant aussi. Ouh, d'accord? Vous voyez, ça monte. Et ça soulage justement, parce qu'il y en a qui ont des problèmes d'épaule. Et je peux vous parler en connaissance de cause. Je suis passé par là beaucoup de fois avec des interventions. Donc, pareil, côté. Et ça vous soulage. Et quand, bien sûr, ça va mieux, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on fait ça. Okay? Une corrective qui est bien et important aussi, c'est celle-là. Regardez, pousse et dégage ton épaule. Et souffle. On pousse et on dégage son épaule. Encore une fois, baisse les épaules, tire, pousse avec ton bâton, relâche. Encore, tire, et pousse. Vous voyez, tous ces exercices sont bien importants. Alors, il y en a un qui est pas mal aussi, c'est celui-là. Vous passez derrière, regardez. Comme si on était prisonnier. Bon, je suis bien, ouais. Relâchez les mains, et là, tournez. 1, 2, 3, on va jusqu'à 8, 4, 5, 6, 7, 8, et on essaie de tenir. On souffle, passe de l'autre côté, on rentre le ventre. Allez, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on reste et on pousse. Vous êtes obligé de tirer les épaules en arrière et ça vous fait une corrective. D'accord? Il y a un exercice qui est pas mal aussi pour avoir le dos plat, regardez.
d'être comme ça. Alors ici, on se penche et on monte. Et on ne peut pas tricher. Donc ça fait partie toujours des positions pour étirer. Et on revient. Une dernière fois. Et là, on essaie de rester. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va fléchir les jambes. Vu? Je tends. Je reste 8 ans, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe? Après, je fléchis les jambes. Sauf en euro. Concluez l'exercice. Dopla. Restez en dopla. Fléchis les jambes et je pousse. Bon, c'était les derniers exercices que je pouvais vous montrer au niveau correctif. Tout ça peut se faire sur la chaise également. Bien. Alors, je le garde. On va passer maintenant à la tonicité. Parce que c'est important la tonicité. Alors, on prend son tapis. Et puis, je sais pas, il y a quelqu'un qui me dit s'il y avait un fond musical. Ben oui, ce sera bien quand même. Il n'y a qu'à demander. Et on va le voir. Donc, c'est bon. Ça va comme ça? Ouais, c'est doux, hein, ouais. Alors, tonicité de jambes. On est passé, bien sûr, sur la corrective, sur la respiration, sur le mouvement des poils. Tonicité. D'accord? Tonicité de jambes. Alors, c'est-à-dire qu'ici, position assise. Bon. Ce que je m'en mets, c'est lever la jambe. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8, et après on la tient. D'accord? Encore. Change la jambe. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8 et je la tiens. Ce sera l'exercice qu'on va faire. Après, on peut faire pareil avec les bras. Hein. Le même exercice qu'on lèvera en 8 ans et on tiendra. Et on essaiera de monter la jambe le plus haut possible. Pareil ici. Et jusqu'à 8, on essaiera de tenir. D'accord? On peut également se servir du bâton avec ça. Mais aussi le ballon. Alors moi j'ai pris un petit ballon comme ça pour en prendre aussi un ballon plus lourd. Alors ça c'est plus ludique. Regardez, passer en dessous. 1, 2, 3, 4, on ira jusque 8. Pareil, 1, 2, 3, 4, marrant. Et après on va faire les deux. 1, 2, 3, 4, et bien sûr jusque 8. Donc ce sont tous des petits exercices qui vont être très, très intéressants parce que bah, pour tonifier les jambes, c'est bien. Ensuite, ce que je vais vous demander, bah, c'est de prendre le ballon et c'est de mettre ici sur la tête. D'accord? Et tirer les épaules à l'arrière. Et là, de monter la jambe et puis la bouger. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va essayer de pousser le ballon jusqu'à 8. Et on va essayer de monter jusqu'au bout. Pareil, ce sera sur l'autre jambe. 8, vous voyez, on a une tonicité de jambe. Là, et après, vous allez voir que ça va travailler et ça va vous surtout vous corriger le muscle. Bon, ça c'était une petite, des petits jeux simples. Ensuite, donc en tonicité de jambes, c'était ça. Je voulais vous travailler votre cardiovasculaire, parce que ça c'est important aussi. Là, je vous ai échauffé un petit peu. Alors, avant les séances, on va s'échauffer. Alors là, je vais prendre deux niveaux. Un niveau avec une chaise et un niveau sans chaise. Pourquoi? Parce que moi, ce que je voudrais, c'est avoir pas des performeurs. Les Jeux Olympiques, c'est pas encore maintenant. Hein? Sur peut-être le deuxième mois, on travaillera ça. Mais tout venant. Parce que bon, je pense que l'important, c'est l'entretien. Alors, ce que je vous demandais, c'est faire de pas chasser. Pas chasser, c'est facile. C'est ça. Hop! Hop, d'accord, avec un relâchement de bras. Alors, le pas chassé, il faut toujours avoir les jambes fléchies. Je vais vous donner, bien sûr, pendant ces cours, des détails bien précis pour être performant. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ça, ce n'est pas des pas chassés, d'accord? Donc, on corrigera tout ça. Donc, pas chassé, un pied chasse l'autre. Un, allez, deux, souffle. Trois, quatre, cinq. 6, 7, 8. On fera
certainement plusieurs séries. Pour ceux qui ont des problèmes, difficultés, genoux, tout ça, chaise, soulagement. Prends la chaise. 1, 2, 3, d'accord. 4, 5, 6, 7, 8. Comme on n'a plus de salle de sport, il faut bien trouver les moyens. Bon, alors, échauffement aussi qui est intéressant, c'est de, vous savez, trottiner en essayant de lever les genoux. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc, vous allez voir, j'ai des formules là-dessus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite, 3, 4, on verra sur les séances. Pareil, la chaise. Si c'est trop difficile de courir sur place, on a un appui en soulagement. Et on essaie de monter ses genoux le plus possible. D'accord? C'est ça qui est intéressant. Et vous verrez, quand vous avez couru pendant 5 heures, voilà, vous serez performant. Donc voilà l'important. Sous latéraux, en serrant les chevilles. Regardez. On a un point d'appui à chaque fois, mais on a les chevilles serrées. Et bien sûr, on essaie de toujours fléchir sur ses jambes. Pareil, si c'est difficile, vous avez bien cette chaise, non? Ah ben pareil. On a un appui, vous voyez, à chaque fois, pour se soulager. Voilà. Les flexions. Là, je vous conseille le bâton, parce que bon, c'est toujours bien. Ceux qui ont des problèmes de genoux, ils descendent jusqu'où ils peuvent. Ça, pour moi, ça mord. Par contre, on remonte jusqu'à une pointe. D'accord? Pour travailler le relevé de pointe, un renforcement du genou. Donc, c'est 1, 2, remonte le ventre, 3, vous voyez, je ne descends pas trop, 4, ceux qui peuvent descendre plus, tant mieux, 5, 6, et 8, et 8, et 8, d'accord, on fera plusieurs séries. Pareil, s'il y a des difficultés à faire cette flexion, ben pareil, je pense aux personnes qui ont à peu près 100, 150 ans, quoi, hein, qui veulent encore s'entretenir. Eh ben oui, fléchis, et je pousse. Fléchis, et je pousse, et je rentre devant. Fléchis, et je pousse. D'accord? Bon, ça c'était l'esprit cardiovasculaire quand même. Parce que dans mes cours, je vais travailler tous les groupes musculaires. Je ne vais pas faire simplement, tiens, aujourd'hui, on fait des pecs, on fait... Non, la gymnastique, en fin de compte, c'est une harmonie du corps où il faut justement faire différents exercices. Donc là, on a fait cardio, on a fait correctif, on a fait maintien, ouais. Qu'est-ce qui manque d'après vous? Hein? Qu'est-ce qui manque d'après vous? Ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle comment? 2, 3, 4 jusqu'à 8, et après on va tenir. D'accord? Et on va faire le même, mais en montant plus. Jusqu'à 8, et on reste. Ah! Déjà, je sens. Faites de l'autre côté, pour pas qu'il y ait jaloux. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8, je tiens. Vous voyez mon pied? Il flexe à chaque fois. Je monte, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8. Pour les plus performants, bien sûr, ben on lâchera le bâton. Ouais? Déjà ça, je le sens. Des exercices que vous allez faire, des fois, il y aura des spéciales fessiers. Ensuite, ce qu'il y a dans la gymnastique aussi, c'est l'équilibre. D'accord? Donc l'équilibre, c'est quoi? Ben, c'est ça, regardez. Équilibre fessier. Ici. Monte. 1, 2, 3, 4, jusque 8, je tiens. Ça va jusque-là, hein? Ouais. Mais après, il y a une petite difficulté, regardez. 1, 2, 3, 4, jusque 8, et là, ça tient. Et ça s'appelle l'équilibre. Alors, il y en a qui vont t'enlever. L'autre côté, 1, 2, l'appui du bâton, 3, 4, jusque 8, je tiens. Là, c'est bien, hein? Attention, difficulté, 1, 2, 3, 4, et ça ne bouge plus, hein, parce que s'il y a ça, hein. Alors en plus, bon, essayez debout, c'est bien. Regardez sous le côté.
Pam, on se met la seconde. Bien le pile comme ça. C'est parti. Attention, c'est le même système. 1, 2, 3, 4. Là, ça ne bouge plus. Et là, bien sûr, après, on essaie de... Là, on est complètement en équilibre. L'autre jambe, pour vous montrer. 1, 2, 3, 4. Ce sera juste le lit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez. J'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal. Ouais. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'on va travailler, on va tirer son bâton pour monter sa jambe et obtenir l'équilibre. Donc, le travail d'équilibre, on travaillera aussi là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'ai pas oublié. Hein. L'appel. Non, c'est pour après l'appel. C'est pour après l'appel. Bien, alors là, je vais vous demander, petite performance, quoi. Est-ce que vous avez deux chaises chez vous? Est-ce que vous les avez? Ah, normalement, oui. Deux chaises. Ceux qui ont des problèmes, des difficultés pour se coucher, pour se mettre à genoux, plus de soucis. On va travailler donc les pecs. D'accord? Renforcement des pectoraux. Vous avez deux chaises. Si c'est trop dur, vous fléchissez les genoux. On est d'accord? Sinon, on les tend. Le but, c'est de descendre le plus bas possible. Je monte. Regarde. 1, 2, 3, 4, bien sûr, ça va jusqu'à 8. Et après, on fera un maintien en isométrie. Quand je dis maintien en isométrie, c'est un esprit statique pour dessiner le muscle, pour avoir un muscle profilé. D'accord? Est-ce que vous avez lu le truc? Alors, il y a deux formules. Coup d'écarté pour travailler les pecs ou coup de serré pour plus renforcer sur les triceps. Donc ici, je tends et je vais descendre un peu plus. 1, 2, 3 et 4, je reste. Je vous apprendrai pendant ces séances la technique pour ne pas se faire mal le dos. Parce qu'il y a des fois où on fait des pompes et on ne sait pas comment il faut faire. Mais on cambrait. Donc, toujours un dos rond là-dessus. Donc, vous voyez là, il y a un exercice de musculation. Au cas où, si vraiment il y avait des difficultés, parce que de boîte, on a les deux chaises. Voilà. Et en maintien, ça peut être pas mal. Regardez, passer autour de la chaise. Et ça, ça fait une tonicité qui est excellente. D'accord? Alors, mesdames, si vous dites que je ne peux pas faire du sport, eh bien non, là ça ne va pas. On peut toujours faire du sport et je vais vous le prouver. D'accord? Si vous m'accompagnez, vous allez venir devenir des performeurs et surtout faire les Jeux Olympiques. Bon, c'est tous des exercices. Aujourd'hui, je vous montre en fin de compte la diversité de ce qui va se passer. Donc là maintenant, on remet les chaises à sa place. Celle-là. Et on va faire l'appel, non, après l'appel, après l'appel. Bien, je vous ai demandé tout à l'heure de prendre des poids, d'accord? C'est évident qu'on prendra des poids alors avec ou sans chaise, mais il y aura un travail bien sûr de biceps sur 8 ans. Et toujours, moi, ma formule, c'est rester en isométrie. Il y aura un travail de triceps. En rentrant le ventre, bien sûr, et restez. Bon, ça, c'est des gros poids. Il y en existe des plus petits, d'accord? On fera du renforcement aussi, une pelle, d'accord? Ouf. Et, vous voyez, je vous montre les exercices. Je vous fais un cours aujourd'hui, c'est-à-dire que je démontre les exercices que vous allez faire, parce que je crois que il y en a peut-être qui ne sont pas équipés, qui sont déjà en tenue de soirée pour sortir ce soir. Donc, bien, l'élastique. Ah, l'élastique, ça, il va devenir important. Est-ce que vous en avez un chez vous, comme ça? Voilà. Alors, donc, si un exercice, bien, regardez, hop, je mets ici, et là, je peux travailler aussi des biceps sur 8 ans, et je vais tenir. Et croyez-moi, ça va être bien.
pareil, on va partir en triceps. Vous voyez, whoop, hop, jusqu'à 8, et là je vais tenir en rentrant le ventre et en durcissant les fessiers. Voilà. C'est pas fini. Alors ici, dorsaux, eh bien on tire. On tire en baissant les épaules parce que ça fait partie toujours d'une corrective. Et ça, on a besoin de ces mouvements-là. Quand vous allez faire vos courses et que vous devez prendre des packs d'eau, eh bien, comme ça, ça va aller. Et on tient. Donc cette formule va être bien. L'élastique. Donc je vous ai montré à peu près tous les exercices. D'après vous, qu'est-ce qui manque dans la formule? Qu'est-ce qui manque dans la formule? Qu'est-ce qui manque? Il n'y en a pas qui me répondent, pourtant c'est important. Qu'est-ce qui manque? Hein? Qu'est-ce qui manque? Ben oui, les abdos. Donc les abdos, il y a plein de choses. Ici. Alors, ce que je vous demande, c'est une serviette. D'accord? Et ce que je vais vous demander, c'est de boire un coup quand même. Parce que c'est important. N'oubliez pas votre bouteille d'eau. Elle va être importante. Parce que là, c'est un petit cours sympa. Hein? On est tranquille aujourd'hui. C'est dimanche. Mais mercredi, on rentre dans le monde. Les abdos, alors les abdos sont importants aussi. Il y aura plusieurs formules, j'en ai des milliers. Parce qu'en gymnastique, on a besoin des abdos. Alors le premier est simple. Vous allez voir, aujourd'hui, je vous fais une petite invention. Ici. Là, tout le monde sait le faire. Alors pour soulager le dos, Claudine Pochet, tu m'entends? Vous prenez la serviette. D'accord? Et là, ce qui va se faire, c'est important, on va monter 8 ans. Et 8 ans, on va rester. Et vous allez voir que ça va travailler. On évite le cron lombaire. On est soulagé. Et en même temps, on travaille ses triceps. On le fait une fois, regardez. 1, 2, 3, on souffle. 4, 5, 6, 7. Et je tiens, je souffle. 2, 3, 4. 5, 6, 7, relâche. On fera des séries, bien sûr, beaucoup plus fortes là-dessus. Hein. Mais ce côté ici, parce que quelquefois ici, on a mal à la nuque. Donc n'oubliez pas votre serviette, elle va servir. L'exercice qui est bien aussi, c'est celui-là. Pour éviter de se faire mal, on lève le genou et on monte le buste en même temps. Là, vous mettez les mains comme ci, donc ça fait 1, 2, on souffle. 3, 4, bien sûr, jusqu'à 8. Et après, je tiens et je vais essayer de pousser sur la jambe ici. Et relâcher. Pareil de l'autre côté. 8, je souffle. 3. Et 4. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je pousse. Pousse pour renforcer mes abdos. OK? Si vous m'aidez au niveau des jambes, regardez. 1, 2, 3, 4. Les jambes, bien sûr. Et toujours cette poussée ici. Vous voyez? Alors, j'ai un petit exercice qui est sympa. Vous le montrez. On le fera, on va le faire pendant ces séances. Ça s'appelle le rocking chair abdo. Alors, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Alors, bien sûr, il vous faut des élastiques. Hein. Vous les mettez les élastiques ici, en dessous. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Vous allez découvrir plein de méthodes. Là, ici. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez les bras tendus. On est d'accord? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on essaie de remonter. Donc, si c'est trop facile, ben, on ne sert pas des élastiques, mais on a même pas une corrective en tirant les épaules en arrière. Si c'est encore trop facile, on fait jambes tendues. Et si c'est encore trop facile, eh bien regardez, on ne bouge plus. Et on monte les jambes, on bouge les jambes. Mais c'est l'élastique qui monte vos jambes. Et voilà. Technique abdominaux assez ludique. Bon, alors, sympa aussi, on l'a fait tout à l'heure pour le maintien de jambes.
Le ballon va servir également pour faire les abdos. D'accord ? Ici, si vous avez l'occasion, croisez un. On essaie de tenir le plus possible et remonter. On essaie de descendre le plus possible et remonter. Je monte jusque lui et en même temps on travaille ses adducteurs et on monte. D'accord ? Si c'est trop dur, on se soulage en prenant les genoux. D'accord ? Encore. Allez, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Et je remonte. Vous pouvez tenir jusqu'ici. Hein. Bon, je vous ai montré pas mal de choses. Après chaque exercice, il est sûr que nous allons passer au stretching. Pour moi, c'est indispensable. Toutefois, quand on est blessé, on ne peut rien faire, on stretch. Quand on est fatigué, on n'a pas de goût, et pour surtout relâcher ses articulations et ses muscles, le stretching est important. D'accord ? Alors, ici, soit sur le tapis ou avec les chaises. Les chaises, c'est pratique parce que, souvent, il en faut deux. Si vous n'avez qu'une chaise à la maison, ben c'est mort. Bon, la première méthode, c'est celle-ci que vous connaissez, hein, un crunching. Pouf, toujours attirer ses ischios. D'accord ? On tire. Je me laisse sur le côté pour que ça voit mieux. Et ça tire. Point flex. Et souffle. Tirez les ischios et on souffle. Une mode de récupération importante. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Parce que ben, je boite, j'ai mal. Prends la chaise. Et là, ben, la pile d'excuse. Confortable. Vous essayez d'aller le plus loin possible. Et puis, ben, on étire. La règle du jeu, d'essayer d'être beau plat. C'est pas la peine de tirer pour avoir un rond. Non. Ok. Et on souffle. Pareil de l'autre côté. Et on souffle. D'accord ? Bon, bien sûr, on fera bondage beaucoup plus longtemps. Hein. Il y aura toutes les méthodes, bien sûr, d'écart. On fera. Hein, les fentes, tout ça. Donc, ça sera des exercices qui seront importants pour que vous puissiez gagner en souplesse et puis en performance, en tonicité, en équilibre. En cardiovasculaire, voilà. Ce sera le menu complet de la gymnastique. Bon, j'ai comment aujourd'hui, c'était vraiment la séance que je voulais montrer que vous allez avoir. Je n'ai pas voulu vous esquinter. Je pense que. Bon, il y en a plein qui connaissent déjà la méthode. Donc voilà. Et n'oubliez pas de boire, parce que c'est important. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on boit un coup. Alors, tout à l'heure, je vais boire un bon coup, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Il y a une surprise aujourd'hui terrible. Donc, oui, j'ai parlé beaucoup parce qu'il fallait après, peut-être que je ne vous verrai plus. Donc, nous allons passer maintenant à la danse, que vous attendez, bien sûr. Alors, à chaque fois, quand je faisais mes cours, je faisais un petit show au départ. Aujourd'hui, je vais vous le faire. C'est comment on... C'est comme ça. Et après, on passera au cours de danse. Donc, c'est un show magique que j'ai mis en place et que j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui. Donc, c'est ça. Et après, on danse. Vous êtes prêts pour la danse ? Ouais. Alors, c'est ça. Alors, attendez. Je vais voir si... Yes. Alors pour que ce soit plus scénique, je vais mettre, comment dirais-je, quelque chose
de plus magique. Oh, quelque chose de plus magique, alors on va voir. Ouais, c'est magique. C'est magique. Je mets le son, vous regardez. Je ne vais pas tout vous montrer, mais une bonne partie que vous allez découvrir. Juste pour votre plaisir. Le show. Ça va faire partie du show et ça va faire partie, bien sûr, des cours. On est d'accord? Bon, eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous attendez? La danse? Eh bien, on va la faire, la danse. Hein? On va la faire, cette danse. Alors, ici, tout d'abord, décomposition de la chorégraphie. On est d'accord? Alors, décomposition de la chorégraphie. Je voulais savoir, est-ce que vous voulez que je danse avec masque ou sans masque? Avec masque ou sans masque? Sans masque, d'accord. Simple. Les danseurs, est-ce que vous êtes prêts? Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Vous frappez. Derrière droite, derrière gauche. Ça va? Ça va? Oui? J'entends rien? Talon droit, talon gauche, derrière droite, derrière gauche. Oui? Troisième fois, 7, 8, talon droite, talon gauche, derrière droite, derrière gauche. Attention, on est funky. Hein. Une dernière fois, 4 fois, c'est bien. Et je vous mets les temps maintenant. Attention, 7, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yeah, 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 premier pas. C'est bon pour tout le monde? Ah, ça va être ça le dimanche. Oh. Ensuite, regardez, 1, 2, 5, 6, facile, non? Garde-toi à chaque fois, je tourne. Droite, gauche. Droite, gauche. Vous entendez les clap to fingers? Est-ce que ça va là? Myriam, tu suis? Parce que je sais qu'il y en a qui sont connectés, j'ai rien joué. Hein? Allez, encore une dernière. 7, 8. Droite, gauche. Gauche. Droite, gauche. Réfléchissez bien sur les jambes pour mettre le groove. Mettez votre feeling good. Le même avec les temps. 7, 8, 1, 2.
5, 6. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on groupe les deux ou je peux faire un troisième? Je groupe les deux. Allez, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, fléchis. 5, 6, ça va, moi je pense que ça suit, ça suit, ça suit. Bon, bon petite difficulté, non. Déplacement latéral, vous allez voir, ça c'est facile. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Croisé devant, croisé derrière, voilà. Et là, épaule droite, d'accord. Oh, facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez kiffé ce pas. Vous avez kiffé. Alors, croise devant. Derrière, croise devant, croise derrière, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin comme pouf tout de suite sur l'épaule, elle gèle cette chaise maintenant, elle gèle, ça va, c'est mieux là, hein? On la remet, 7, 8, croise devant, croise derrière, croise devant, croise derrière. Et 1, 2, 3, 4. La poussière sur l'épaule. 7, 8. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, quand c'est la main droite, il va toucher l'épaule gauche. On frime, on frime, on se kiffe et on se la joue. Encore une fois, parce que je vois qu'il y en a qui disent. Non, j'ai pas bien compris. Mais je vais faire de vous des stars. Et n'oubliez pas que quand je vous ai parlé de mon gros événement, il y a des choses qui sont vraiment. Ils sont là. Énorme. Encore 7, 8, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Main droite, main gauche. Main droite, main gauche. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, croisé, 5, 6, 7, 8, toujours la main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boum. Vous avez 3 pas. Est-ce que ça va? Moi, je pense. Vous voulez qu'on la refasse ou quoi? Allez, aujourd'hui, c'est open bar. Il est dimanche. On a que ça à faire. 7, 8, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma droite, 7, 8 sur l'épaule gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, changez 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça va? Vous avez 3 pas. On est presque à la fin. Presque à la fin. Alors, vous savez que j'affectionne particulièrement les pauses. Et les pauses, bon, ça c'est quelque chose. Ça paye les pauses. 8, vous avancez s'il vous plaît. Voilà, vous mettez en latéral. 1, 2, 3, 4, je pose, je pose. Ça, c'est la plus simple qui peut. Non, on peut mettre autre chose. Hein. 7, 8, je vais droit. 1, 2, 3, 4, par exemple. 5, 6, 7, 8, exemple. On a toujours la jambe droite. Hein. Encore. Droite, gauche, droite, gauche. Je pose. Exemple. Pensez aux pauses. La plus simple, c'est celle-là. Pause. Pause. Mais par contre, il faut qu'il y ait de l'allure. Une dernière fois pour les pauses. À la pelle.
l'appel. Ça veut dire quelque chose, l'appel. Hein. Vous allez voir. On y va? Droite. 1, 2, 3, 4. Je pose. Je pose. Est-ce que ça va? Moi, je dis que ouais, hein, ça va. Hein, ça devrait le faire. Hein. Allez, on fait le tout. On fait le tout pour que bon, ça rentre dans la mémorisation. Et après, bah, bien sûr, c'est la musique. On y va. 1, 2, 3, 4, derrière, 5, 6, 7, 8, derrière, 1, 2, 5, 6, croisé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, main droite, épaule gauche, 1, 2, je frime, 3, 4, ça fait comme jamais, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même style. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les pauses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exemple. La chorégraphie est terminée. Simple. Bien sûr, au fur et à mesure des cours que vous allez prendre, vous allez évoluer. Et on va faire différentes choses. Toutes les semaines, la chorégraphie changera. D'accord? Comme les cours changeront à chaque fois. Ce sera diversifié. Bon, le son. Allez, on met la musique. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme musique? Ça, ouais. Pour commencer, on la joue doux, tranquille, sur un petit apprentissage. Et bien sûr, comme on dit, nationalisé tranquille. Hein. Est-ce que vous êtes ready? Allez, c'est parti. Oh, merde. Ha-ha! Encore. Hey.
va. Et là, on va changer de look. 1, 7, 2. Fond, soit fond. Et au revoir. Ah, allez. Est-ce que vous pouvez boire un coup, s'il vous plaît? Allez, on boit un coup. Vous voyez, en une heure, on va faire plein de choses. À savoir... que là, j'ai fait un mix. Quand j'ai le mix, c'était montrer le sport, montrer la danse, monter un peu le show. Mais dans vos cours que vous allez faire, ce sera une heure de sport, une heure de danse, d'accord, avec des chorégraphies bien pointées. Et là, c'était petite récréation. Bon, écoutez, si je mets la musique un peu plus fort, est-ce que vous allez savoir la jouer? Parce que, ouais, un petit jamais ou quoi, un truc comme ça, oh, un petit truc funky là. Ouais, ça, est-ce que vous pourriez le jouer? Vous êtes prêts? Ah ouais, ça sonne bon, c'est bon ça. On la joue, on la joue. Allez, comment?
va bien? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous donne envie? C'est parti! 6, 7! C'est difficile. J'ai connu ça. Donc voilà, c'était lors de l'anniversaire, son anniversaire. Son anniversaire, ça s'appelait Happy Flow. Voilà, Florence, pour toi. Aujourd'hui, tu mérites. Alors, c'est bizarre parce que c'est son anniversaire. C'était son anniversaire. Sa maman vient de décéder, bien sûr. Et aujourd'hui, oh, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une chose que j'ai horreur. Je le fais rarement, où on prend tout en train. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Vous vous rendez compte, le 1er novembre. Et je ne sais pas, je suis content. Il n'y a personne. Merci encore pour vos messages, parce que je sais qu'il y en a qui me le souhaitent. Bon, je vais vous faire des bisous, vous en pas. Je vais le faire. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Plus le pom-pom. C'est pas dit. J'ai envie de le fêter. Non, pas encore, c'est pas maintenant. Ouais. Pas encore. Mais voilà, c'était comme ça. Donc un petit dernier. Un petit dernier, quoi. Allez. C'est pas tous les jours qu'on perd sa main pour les 9 ans, quoi. Allez, un petit dernier, mais alors le dernier, il faut qu'il soit fort. Alors, pour qu'il soit fort, yes. Vous aimez Jamiroquai, non? Un truc comme ça? Ouais. Moi, je pense, hein. Allez, dans ce style. Dans ce style. C'est parti. Yes. Yeah. Ooh. I go.
prochaine. Ça veut dire respecter les gestes barrières, respecter les consignes. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et ça peut durer. Ça fait du mal à plein de gens, entre autres pour les artistes, les sportifs, les gens d'événements. Donc, essayez de faire quelque chose, garder le masque, l'appel au peuple, je passe le message, il faut qu'on s'en sorte, sinon, il y en a qui vont mourir. Donc voilà, j'avais trois devises à dire, et elles sont importantes. La première, ceux qui prendront les cours avec moi, ceux qui vont s'abonner sur la chaîne YouTube, j'y tiens, sans obligation bien sûr, mais ça coûte rien. Vous verrez, vous ne serez pas déçus, parce que c'est un gros événement que je vais faire. Un gros. Un des plus gros. Donc, répétez après moi, le sport c'est bon pour la santé. Ça c'est la première devise. Je répète, le sport c'est bon pour la santé. Ça c'est la première devise. La deuxième, c'est sur la danse. Donc bien sûr, vous allez participer aussi avec moi à la danse. Donc ça veut dire, bouger c'est la vie, donc vivez funky. Ok? Avec moi, bouger c'est la vie, donc vivez funky. Ce sera à chaque fois les mots que je vais vous dire. Et maintenant, c'est pour les gens du spectacle, cette troisième devise. Elle est importante. Pour vous dire que l'important pour un artiste, c'est de durer. Tout en essayant d'avoir l'esprit d'innover. C'est ce que j'essaie de faire. Si je suis encore là, c'est peut-être pour ça. Donc retenez bien cette phrase, artiste. L'important pour un artiste, c'est de durer, tout en restant dans
le rêve et surtout l'invention. Voilà, et là je pourrais pas encore s'en sortir. Écoutez, j'ai plus qu'une chose à vous dire. C'est rare que je fais ça. Eh, ça tombe, confinement, baf, enfin plein de trucs. C'est mon anniversaire, alors, l'anniversaire, je vais vous dire mon âge. Après, je bois un coup. L'anniversaire, c'est dans la tête. Et je peux vous dire, j'ai toujours 20 ans. À votre santé. Ah, allez, un petit son pour finir. Oh, oh. À bientôt. J'espère vous revoir, Samaïn. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et peut-être à mercredi. Merci à vous.